Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 1.29. Donc le titre, alors effectivement il y a des chances que ce soit la dernière vidéo. Je vais donc m'expliquer maintenant puisque ça reste quand même le titre de la vidéo. En fait, j'estime que j'ai un petit peu l'impression que ça plaît pas à tout le monde le fait que je fasse des vidéos 1.29. Je sais qu'il y a une partie qui aime bien, mais il y a une partie qui n'aime pas. Lorsque je dis qu'il y a une partie qui n'aime pas, je regarde forcément dans les commentaires, il y en a une petite partie qui n'aime pas, ou bien forcément au niveau des likes. Quand je compare par exemple les likes Coli ou les likes... avec les likes de Fus 1.29, je vois largement que les personnes qui adorent le plus Dofus, enfin en colis quoi, les colis que je poste, eh bien se manifestent beaucoup plus que ceux qui adorent les vidéos 1.29. Du coup je me dis, bah Jerry, pourquoi perdre ton temps à faire des vidéos sur 1.29 alors que tu pourrais faire des colis à la place? Et finalement bah je pourrais éventuellement maintenant je vais aller manger. Ok, pas de soucis. Du coup, les gars, bah, il y a des chances que, bah, personnellement, moi, mon aventure sur Dofus 1.29, elle continue. Même si je dois vous avouer que ces derniers jours, bah, j'ai pas pu me connecter parce que j'ai pas trop de temps. Ouais, bon, bah, en fait, on va faire un donjon à 4. Du coup, encore une fois, pour les abonnés qui regardent cette vidéo, qui jouent sur Annual et qui veulent me rejoindre dans ma guide, je suis désolé, on est tout le temps complet. C'est comme ça, moi j'y peux rien, je peux pas virer les gens. Encore que, peut-être pourquoi pas virer les gens inactifs, du genre Pepep, je sais pas si ça... 11 jours, ouais, carrément, également Low qui a arrêté. Oui, bon, c'est vrai que je pourrais faire de la place comme ça, mais... Enfin, voilà. Pour ceux qui aiment 1.29, bah les gars, faut vous j'estime qu'il faut vous manifester, qu'il faut dire que vous êtes là, que vous voulez que ça continue. Après, si, effectivement, après, je trouve que c'est un petit peu con. Enfin, c'est con et plutôt juste à la fois mon raisonnement dans le sens où, effectivement, il y a une partie où tu te dis, voilà, niveau like, etc. Mais sauf qu'il y a une partie où tu te dis, ça reste ta chaîne et tu fais ce que tu veux. Comment est-ce que je fais pour trancher, moi, les gars? Est-ce que je dois... est-ce que je dois plutôt choisir ma propre voix? Me dire, bah, je m'en fous, s'ils aiment pas, j'en ai rien à foutre. Ou est-ce que je dois avant tout écouter, bah, entre guillemets, ma communauté, entre guillemets, mes abonnés? Est-ce que je dois vous écouter vous ou est-ce que je dois même faire les deux? Alors là c'est plutôt compliqué de faire les deux puisque c'est des avis contraires. Enfin bon, personnellement moi je suis un petit peu perdu. C'est vrai que ce genre de question, je me la pose des fois assez souvent. Ce genre de question, je me dis, est-ce que je dois continuer à faire cette série? Est-ce que je dois arrêter à faire cette série? Le problème, c'est qu'en fait... quand on remarque bien, finalement, c'est peut-être la voix, je dirais, je sais pas trop comment pourrais-je l'appeler, mais attendez, je suis en train de me concentrer. Bah, au final, c'est vrai que ça reste ma chaîne et que je fais ce que je veux. C'est vrai que, et puis en plus, ce qui ferait chier, c'est que finalement, bah, j'arrête cette série 1.29. Et que justement, bah, les personnes qui aiment la série bah, seront dégoûtées. Et c'est vrai que j'ai pas forcément envie que ça arrive. Mais bon, il faut quand même voir les choses du bon côté. Dans le sens où, s'il y a plus de Dofus 1.29, il y aura peut-être un peu plus de colis. Je sais pas. Je sais pas. Enfin bon, voilà, moi je vous parle comme ça. Je vous dis les choses clairement. Actuellement pour moi Dofus il joue pas tant que ça, de toute façon vous pouvez le voir en ce qui concerne les vidéos. Moi qui adore Dofus, bah là je joue pas tant que ça en ce moment. C'est comme ça, enfin voilà, vous me connaissez à travers le temps. J'ai des périodes où j'y joue et j'ai des périodes où j'y joue moins. C'est. Pour moi c'est comme ça que ça marche. En tout cas aujourd'hui les gars, bah, on se retrouve pour un donjon bouffe. Donc voilà, je tiens à remercier quand même. Les fidèles membres de la guide, c'est quand même limite eux qui pexent la guide. Moi je suis vraiment pas connecté tout le temps. Bon, c'est vrai que voilà, à un moment je suis passé de niveau 17 à 40, voilà, en très peu de temps, 2-3 jours à peine. Même pas, ouais, en un jour et demi, je crois même.
Quand j'ai rushé les donjons bouffe et tout, voilà, ça c'était la belle époque, enfin la belle époque. Ce qui est marrant, c'est que c'était il y a une semaine en fait. J'ai l'impression de parler, c'était comme si ça faisait 3 ans. Enfin bon, voilà. Alors demain, attendez, demain. Ah non, putain, demain je quitte à 18h aussi. Oh là là. J'allais me dire, bah demain je vais peut-être vous sortir la vidéo sur la refonte Sacri. Premièrement, la refonte Sacri, vous avez été nombreux à me dire que vous en vouliez une de vidéo. Eh bah, il y en aura une. Le truc, c'est que la refonte Sacri, je suis au courant de rien. C'est qu'avant, je suivais beaucoup les news. Mais là, actuellement, je suis plutôt hors sujet. Et bah du coup en fait je sais pas ce que ça donne donc évitez de me spoiler dans les commentaires je pense. Je vais voir ce que ça donne parce que là je suis voilà comme je vous l'ai dit je suis au courant de rien, je sais pas trop ce qui se trame en ce moment, est-ce que c'est shit ou pas, j'en sais rien de toute manière. Si la vidéo doit sortir ça doit être, enfin, ça devrait être dans les prochains jours. En tout cas ça sera cette semaine bien sûr. Cependant avant que la vidéo ne sorte j'aimerais bien quand même me renseigner un peu plus sur la classe. Parce que c'est vrai que j'ai tendance, et c'est un petit peu ce qui me porte préjudice, à faire en fait des vidéos où je découvre les persos. Sauf qu'en fait je connais absolument rien et du coup c'est une vidéo pas forcément bâclée mais c'est une vidéo très... pas forcément super super agréable à voir. Donc voilà, au moins comme ça vous êtes prévenus. Je vais attendre un petit peu, je vais essayer de, je sais pas, essayer de voir quelques heures de, comment dirais-je, bah juste histoire d'appréhender la classe, de voir ce que ça donne avant tout. En tout cas bon là, on sort un petit donjon à 4, une session drop pour ton Xel, ouais c'est vrai, ouais c'est vrai. Voilà donc Fanta les gars, je vous présente Fantasmatec là. Yop, voilà, là, il est dans le futur. Je kifferais trop lui ressembler, mais ça va peut-être arriver, hein, je pense. Il me faut du temps de jeu, moi aussi. Je veux dire, au final, tout le monde peut être un PGM dans Dofus. C'est pas question de ça. C'est pas question de c'est dur. C'est question de, il faut du temps, tout simplement. Les gens ne comprennent pas. Et encore que, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a le temps de jeu. Mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, justement, là, je viens de perdre ce que je voulais dire. Je voulais dire un autre truc. Il y a le temps de jeu et que... Ah là là, je... Ouais, non. J'ai perdu ce que je voulais dire. Maintenant, je sais plus. Excusez-moi. En plus, c'est un truc assez important. Il y a le temps de jeu pour être un PG, mais il n'y a pas que ça. Alors, bah, écoutez, essayez de trouver vous-même. Oh, j'ai drop une clé. Super content. Trop content. Et même sur la bêta, là, j'y joue plus. C'est vrai que ces dernières semaines, j'ai vraiment pas... J'ai pas de temps de jeu, en fait, c'est comme ça. En plus, là, ouais, en ce moment, j'ai vraiment... Pas beaucoup de devoirs, mais j'ai beaucoup de devoirs. Enfin, devoirs, enfin, vous avez compris, devoirs, contrôle, quoi. J'en ai vraiment pas mal. Et bah, ce qui fait que, voilà, j'ai pas forcément... Ah là là, magnifique le Yopfeu quoi. Pas forcément du temps de jeu. Je crois que je peux pas taper. Hein. What? Oh là là, vous avez vu ce crit? My god! Oh là là, je tape trop fort. Alors, on va peut-être faire le châle, non? Je pense pas, je pense qu'il s'en fout. Voilà, et petit œil de dauphre, regardez, oh là là, trop puissant. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien reprendre les colis énervés, là, vraiment. Il y a des chances que ça reprenne cette semaine, j'en sais rien, en fait. On verra bien. D'ailleurs, j'ai bien envie de reprendre les colis et j'ai bien envie de reprendre... Les anciennes compos que j'avais avant, genre Yop, Yop Sacri, voilà quoi, Yop Sacri et une troisième classe random. Enfin, en tout cas, j'aime bien reprendre genre Sacri dedans parce que j'adore. Et puis un gros roxer genre SRAM, K ou Yop quoi, c'est ce genre de compos j'adore. Mais j'ai, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai envie de garder le Xel. Donc ça sera peut-être Yop, Sacri, Xel. Genre Sacri en est type feu. Xelor, bah il reste full terre. Et le Yop. Bah le problème c'est que voilà, ce serait le Yop le problème.
Il faut que je réfléchisse parce que le Xelor fait largement le taf du Rox. Donc prendre un Yop avec un sacré, je sais pas. On va dire que l'une des meilleures compos avec moi, enfin avec Xelor, je dirais, ça serait Sacri Xelor plus Feka. Et en plus, le... C'est-à-dire qu'en fait, le Sacri serait en étype, plus vous auriez un Feka. Donc avec le tank énorme quoi, Sacri, Feka. Donc Feka par contre pas en étype, Feka terre haut en Srambad, vous connaissez, c'est du classique. Hein. Mais c'est vrai que j'aimerais bien reprendre à fond les colis. Ça arrivera quand j'aurai du temps de jeu, tout simplement. Je vous sortirai à nouveau sans doute les deux vidéos par jour. Il est fort possible que ça arrive dès le 1er décembre. Parce que, alors pourquoi dès le 1er décembre? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, j'aime bien faire ça en ce qui concerne les... Oh là là, mais j'ai tellement pas de chance. À chaque mois, j'aime bien, par exemple, le mois... Alors, je crois que c'était le mois d'octobre, je vous ai sorti 2 vidéos par jour. Le mois de septembre, je suis pas sûr, je crois pas. Mais j'aime bien faire ça par mois, tout simplement. Il y a des mois où je vous en sors une seule dans le mois par jour, enfin une seule par jour dans le mois plutôt, enfin voilà, moi j'aime bien faire ça, c'est comme ça. Et bah ce mois de novembre, non, ce mois de novembre c'est pas comme le mois d'octobre en fait, pas du tout même. Oh là là, oh putain, j'ai drop un anneau sa mère, oh là là, j'ai drop quoi d'autre, je crois que c'est tout, trop content. Ah, il a lancé. Alors, il part pas de time. Hein. Je vais peut-être aller là. Vous allez voir ce que c'est. Ah, bon, par contre, mon Yop, du coup, ça fait chier. Il va falloir que j'y aille. Il va falloir que j'aille faire le taf. Mais c'est vrai que ce genre de questions, je devrais même pas me les poser. Hein. Du genre, est-ce que je dois continuer à vous sortir de Dofus 1.29? Ouais, c'est vrai que c'est con. Si les gens aiment, bah ils aiment. S'ils aiment pas, ils aiment pas. C'est vrai qu'il y a pas mal d'abonnés qui me disent, mais Joy, t'as pas besoin de te poser ce genre de questions. Au final, c'est ta chaîne. Tu fais ce que tu veux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu faire le châle. J'aurais pu faire le châle. D'ailleurs les gars, petite parenthèse pour les gens qui suivent le foot. Est-ce que vous avez pu voir le match Atlético-Real Madrid? Donc franchement j'ai envie de dire, c'est bien fait pour leur grande gueule. L'Atlético, bon, pour ceux qui ne suivent pas, l'Atlético ont perdu à domicile 3-0. Triplé de Ronaldo en plus, oh là là, c'est un viol tout simplement. Pourquoi je n'aime pas Atlético Madrid? Parce que c'est la bête noire du Bayern et moi qui suis supporter... du Bayern, et bah ça m'a fait chier. Et puis même de toute manière je déteste l'Atletico, ils ont un jeu tout simplement dégueulasse. Ils jouent à 30 en défense, ouais 30, hein. Des fois ça leur arrive de comment dirais-je, enfin de ramener des supporters sur le terrain, c'est très fréquent en Liga. Et bah bref, voilà, ils jouent en 30 en défense, hein. C'est d'un niveau quoi, c'est assez... Non mais voilà, et puis voilà, bon, en plus ça faisait vraiment au minimum un an et demi qu'il s'était pas pris de grosses claques comme ça. On aurait pu faire peut-être le petit châle des familles, mais bon c'est pas grave. Et l'anneau 30 Vita! Droop! Grave. Merde, j'ai pas eu le temps. J'ai nourri le dragon ou pas? Je sais pas trop. Oh, j'ai deux clés donjon blop. Mais Fanta, est-ce qu'il gère le donjon blop lui? Je vais demander. Peut-être se le faire un de ces quatre.
Oh, je demanderai après. Là, je lui dis châle, on va gérer ça. Ah, quoique. Tant pis, nos châles. Eh franchement, je crois que je vais faire un yop-feu, les gars. Ouais. Les tempêtes comme ça. Oh là là. P à 5 PM. Le truc c'est qu'Yop Air c'est bien comme Lispo quoi. D'ailleurs Lispo il est pas cool. Yop Air c'est bien parce que ça tape en zone, mais Yop Feu c'est d'une puissance, c'est phénoménal. Bien sûr, c'est... Voilà, enfin même triple tempête c'est énorme. C'est énorme, même si c'est... certes c'est mono-cible, d'accord, mais ça reste énorme. C'est vrai que... Ouais. Si seulement j'étais en vacances, j'aurais vraiment cessé... J'aurais séché le jeu d'une force, mais bon, je suis pas en vacances, donc bon, tant pis. Oula, il va sortir un petit bon. Ah ouais, non, mais c'est vraiment trop puissant. Après, c'est vrai qu'il me faudrait le stuff avec, bien sûr. On va peut-être dropper, hein. C'est possible. Tu drops. Non, moi dans deux levels j'ai dévouement. Ok, non. Par contre, j'ai gagné 450 kama sur le. Donc lui s'est fait un cryop. Fanta. Il a raison, cryop. Bon, moi j'ai fait Xelor-yop. Bon, après j'ai un crat de côté, mais crat de côté, je suis pas seul dessus. Et puis je suis surtout la personne qui sans doute joue le moins dessus. Donc bon. Alors là, on peut dropper. Là on va faire les deux châles. Là c'est du bidon, là, les gars. C'est. Il y a quelqu'un dans la guild qui a sorti un. Qui a dit qu'en fait. Alors je crois que c'est Créa. Il a dit ouais. Je me suis reconnecté et j'avais eu 400 000 kama dans ma banque. C'est un bug, nanana. Je crois que c'est Créa qui m'a dit ça. Créature. Il m'a dit ouais, nanana. Alors je sais pas si c'est vrai. Là, regardez, là, il y a pas mal de monde qui se cause, ça fait plaisir, hein, 14 sur 50, et hein, bon, il est 19h40. Donc du coup, normalement, vous aurez ça ce soir, tranquillou. Si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, enfin, j'avais zappé de vous dire ça, mais la dernière fois, genre, j'avais tapé du mob. J'avais tapé des canistes avec un gars, mais on a fait un ou deux combats, mais ça avait bien pex, hein. J'ai pris un level, je crois. J'aurais peut-être dû faire puissance avant. Mouais. Ah, je tape pas fort. Hein. En même temps, mon Xel, il est fou, ça. Et franchement, je vous mens pas, j'ai bien envie d'être le meilleur bon dans la guilde.
c'est normal. J'estime qu'un meneur, ça a toujours... Bon, en ce qui concerne les niveaux, ça va, je suis pas trop mal, je suis niveau 40, mais il y a quand même pas mal de personnes au-dessus de moi. Mais si je jouais vraiment, voilà, bon, je pourrais vraiment, enfin voilà, être au-dessus, au top niveau, quoi. Donc regardez là, normalement il va terminer les trois ici. Les chefs de guerre. Il n'a même pas fait puissance. C'est vrai que puissance c'est 5 PA en fait hein, sur le 5.29. Regardez, oh là là, c'est tellement du clean sheet avec... Tempête quoi, c'est monstrueux. Ah il y a Efia. Efialt plutôt. Il est trop drôle le gars sur Snap. Si je dis pas de bêtises, sur Dofus 1.29, les PM, ça les... Le dernier tour, ça les prend pas forcément. Oh, du drop, et du drop, et du drop. Hey, hey. Drop. Drop everywhere, les gars. Drop. Bon, les gars, avant-dernière salle... Ah, statut, c'est chiant. Ouais, là, des châles pourries. Hein. Ah, quoique, on peut faire les deux, je crois. Non, le 2. C'est ça qui est bien quand on n'est pas beaucoup. On peut se permettre ce genre de chat là. Moi j'avoue trop beau ce item. Moi je vais me taper un petit bouffe-tout. Critique. Ouf. Bon, moi, Yop, il va se taper un bouffe-tout aussi. Parfait. En plus, je m'étais boosté juste avant. Par contre, je vais pas pouvoir le finir. Oh non, fais chier. Ah non, c'est parfait. Ah bah, c'est nickel. Bon, le reste, on... Oh! Oh, ce Rox, mon dieu! Je suis tout émerveillé. Non, pas de soucis, non, non. Oh là là, spam, hein, ça spam les tempêtes, là. Je... Ah bah. Oui, mais je comprends pas pourquoi il fait pas puissance. Oh, il a sans doute pas envie. Ouais, c'est celui-là, le mien. Oh, mais fais le kill. Ouais. Super, Gérard. Tranquilux. Et voilà. Alors là, on me demande si j'ai une astuce qui m'a... Bah les métiers. Hein. Ouais, franchement, la guide niveau 11 et tout. Ah ouais, d'accord, c'est royal et tout. Hein. Ils sont déjà à 34 000. Gardiens aussi. Hein. Oh là là, ils sont chauds. Hein. C'est du futur. Par contre, moi je vais me TP. J'ai pas trop envie que le chef il me... Ouais, j'ai toujours pas la TP. En fait, je préfère garder les points pour dévouement. Donc, le bouffe tout. L'autre là, je devrais le finir avec le Yop.
Franchement, je tape fort, les gars. Et voilà. Bon, bah, c'est cool, une petite demi-heure de vidéo. Là, il reste plus que le boss. Je me demande s'il va capturer. Oh non, tout ça parce que j'étais dessus, c'est pour ça que je l'ai pas eu, mais bon, j'avais cliqué le premier. Avec mine de rien, le boss... Oh, il y a 14 combats, la vache. Lol, on me dit, essaye même pas Joy. Moi, je vais venir direct. De toute façon, je suis quasiment sûr d'être le premier, sauf si le groupe réapparaît sur moi, je pourrais pas lancer. Mais sinon, ouais, même en filmant, bon, c'est Dofus 1.29, ça prend aucune ressource. Allez, voilà, hop. T'inquiète, c'est la vie. J'adore troller. Bah, c'est surtout, en fait, quand on troll comme ça, quand on lance. Un petit pic, moi, j'adore en rebalancer par derrière. Maîtrise dans l'église, ça se voit qu'il y en a qui jouent plus. Oui, ah, ah, je viens de voir. Le clé un noob. Je vous attends. Nique bien, t'es morte. Oh putain. C'est quoi ces châles là? Moi je vais me casser. Ah mais c'est qui là? Ah ouais, c'est lui. Quand tu as fait tes quêtes d'accès à Automate, tu go voir et tu lances la quête ocre. Tu récupères 20 petites pierres d'âme et elle coûte 100... Non, sérieux? Eh ben, donc c'est qui? Non, franchement, je pense que je vais mettre feu, hein, vu la puissance du truc. Parce qu'en fait, lui, il peut me faire le grotesque, il me semble. Il m'a dit qu'elle gérait, donc... Alors là, il dit qu'il veut passer sur YouTube, mais en fait, il est déjà... Pas le boss, pas le boss, ok, un chef. Oh, je suis agi, donc je tacle. Oh là là, aiguille des familles. Mais pourquoi je tape à l'aiguille? C'était pas aiguille, c'était gélure que je voulais faire. C'est... Donc les gars, demain il y a la Champions League. Ça annonce du très très lourd, Champions League, vraiment. Et du très très lourd qui arrive. Moi je pense que je vais entamer celui-là. Il y a Real Madrid, enfin il y a vraiment pas mal d'équipes. Donc ça annonce du lourd, hein, concrètement. Parfait. Et là, il y a tout le monde qui va manger. Hein.
Moi je mange même pas, je suis avec mon monster là, au calme. Aïe, mais pourquoi il me tape mort? Parce que j'ai pas beaucoup de points de vie. C'est qui? Ah oui, putain, c'est le bouffe-tout là-bas. Du coup, c'est bien, j'ai bien entamé le chef, donc comme ça, il pourra... Ouais, c'est bien lui. Ah bah... Ouais, il peut commencer le boss ou bien faire puissance. Hein. Moi j'aime bien faire puissance, mais lui a priori il aime pas trop. En vrai, mais qu'est-ce qu'on va spammer avec le Xelor? Triple flétrissement. Et encore, hein, je crois que je peux en mettre. Voilà, c'est un à l'infini flétrissement. Donc si j'ai 15 PA, je peux en mettre 5. C'est comme Tempête quoi, c'est un... Ah non, non, ouais. Bah, non, Tempête c'est 3 je crois, Tempête. Hein. Tempête. Voilà, 3 par joueur. Bon, j'ai peut-être dû commencer l'autre vu que là il va le tuer. Je me demande s'il a Flamiche. Ah oui, carrément avec souffle. Et voilà le chef. En avant-dernier, ça c'est pas beau. Je vais le flou, je pense. T'as pendant 3 tours, je crois. Ben 2 PA, quoi. Bof. Peut-être dû faire ça avant pour éviter qu'il soigne trop, mais bon. Non, ça sert un peu à rien, surtout qu'il faut le focus lui. Ah, le Xelor, je vais peut-être mourir. S'il crit, je meurs, ouais. Non, c'est bon. Donc je me demande... Ah bah ouais, non, ouais. Il a perdu un PA parce que la baguette des limbes, en fait, ouais. Oh, en plus, il va pas faire le kill. J'ai pas trop envie de mourir. Et je peux pas TP sa race. Alors, il va falloir que j'enlève TP. Ah, j'ai gagné un PA, donc là, j'ai l'ur peut-être. Ah, j'ai pas de chance. Ah là là, j'ai vraiment pas de chance. Je vais retirer 0 PA. Je suis dans le mal. Je vais mourir. J'ai pas envie. Même le bouffe-tout, il va m'achever. Alors là, franchement, tué par un bouffe-tout, je suis désolé, mais là, c'est un manque de respect. Non, concrètement... Ah, merci. Tué par un bouffe-tout royal, bon, c'est déjà un peu plus raisonnable, un peu plus respectueux. Bah, GG. Faut qu'il capture. Alors capture, je crois que c'est 6 PA, donc c'est abusé, voilà, c'est 6 quoi. Et encore, il a 3% de chance, mais plus la pierre elle a 75 normalement, je crois. Oh, j'ai niveau 37. Et avec le Xel, oh, 41, oh, c'est super. Et là, je vois déjà du beau drop, et en plus, il a... Ouais, du beau drop, hormone de chacha pour moi, bon, ça coûte rien, je crois. Et lui, bah, il a sa pierre, j'ai également droppé le marteau bouffe, donc franchement, niveau drop, les gars, c'est super. J'ai up niveau 41, c'est super, dans un niveau, j'ai enfin dévouement, le sort le plus shit du monde. Donc, j'ai pris combien avec le Xel? 110 000 pex. Magnifique, ouais. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un max de likes
pour me dire que vous aimez bah, tout simplement Dofus1.29 pour que sans doute que je puisse continuer là-dessus parce que moi c'est les likes clairement qui me motivent le plus. En tout cas, je vous fais de gros bisous, c'était Joystick et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est quoi un pseudo? Voilà son pseudo à lui. Et ouais, il y en a qui ont pas trop de... Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis ciao.